Si vous vous reconnaissez dans ces quatre qualités, il va vous suffire de vous former et de continuer à vous former tout au long de votre carrière pour devenir un super éducateur canin. Vous voulez être éducateur canin ? Vous vous demandez si vous êtes vraiment fait pour ce métier ? J'aimerais vous parler aujourd'hui de quatre qualités essentielles chez l'éducateur canin. La première qualité pour moi, c'est d'être passionné. Passionné avant tout, bien sûr, du chien, mais aussi de l'humain et du comportement. Sans la passion, vous allez vite vous démotiver. La passion va être essentielle car, en fait, on va chercher ainsi à mieux comprendre l'animal, mais surtout l'aider et aider les maîtres à vivre en harmonie ensemble. Deuxième qualité qui me semble essentielle est qu'il faut être ouvert. Ouvert à différentes méthodes, ouvert à une remise en question sur soi. Effectivement, les cas ne se ressemblent pas. Des problématiques ou des challenges que l'on va rencontrer avec un chien vont nous permettre de nous remettre en question. Et cela au fil des années. Il faut être prêt en quelque sorte à toujours pouvoir remettre en question ses idées, ses croyances et à pouvoir être ouvert à d'autres méthodes, à d'autres éducateurs canins. Peut-être des méthodes qu'on ne partage pas, mais il peut y avoir des choses intéressantes dans ce qu'ils proposent qui vont pouvoir vous permettre vous d'évoluer et d'apporter encore plus de qualité dans vos cours avec vos clients. Troisième qualité essentielle chez l'éducateur canin est la patience. La patience avec les maîtres et la patience avec le chien. Patience avec le chien, car dans des cas de rééducation, on a parfois à répéter longtemps les exercices. On va avoir besoin d'y aller vraiment petit à petit, surtout dans des cas de désensibilisation, sur des chiens agressifs. Et la patience avec soi-même aussi. Parfois, on aimerait aller plus vite, on aimerait faire mieux, et ça va venir avec le temps, avec l'expérience. Patience avec les maîtres également, et cette patience-là va rejoindre l'ouverture d'esprit. Parfois, on tombe sur des maîtres qui ont une vie avec leur chien qui ne correspond pas à notre vision du chien. Dans ces cas-là, j'essaye en premier de me dire le bien-être du chien. Tant que le bien-être du chien est là, même si on voit un chien avec un gros potentiel qu'on aimerait en fait qu'ils aillent un peu plus loin dans l'éducation, la demande là du maître est peut-être quelque chose d'un peu plus léger. Donc il va falloir être patient avec lui et puis accepter la vision du maître de sa vie avec le chien. Patience aussi dans des cas un peu plus compliqués. On a des maîtres qui ont des comportements parfois qui sont clairement dangereux et, pour parler franchement, qui ne sont pas faits pour avoir un chien. Il va falloir faire preuve de patience car si on braque et qu'on rompt la communication, cela risque d'être pire pour l'animal. Le but va être de créer un terrain d'entente et de faire en sorte que le maître perçoit les risques de son comportement, les risques pour le chien, les risques pour sa famille. Donc il va falloir faire preuve de patience. Quatrième qualité de l'éducateur canin, c'est la ténacité. Être tenace. Si vous êtes éducateur canin ou vous souhaitez le devenir, cela ne sera possible quasiment que par la voie de l'entrepreneuriat. Très peu d'entreprises faisant uniquement de l'éducation canine recrutent des employés. Donc si vous souhaitez faire ce métier, il va falloir vous lancer à votre compte. Et pour ça, il faut être tenace. Là, les règles du jeu de l'entrepreneuriat ne sont pas toujours évidentes. Il y a des hauts, il y a des bas. Vous allez rencontrer des difficultés, pouvoir apprendre de celles-ci. Et si vous n'avez pas un peu de ténacité, vous allez arrêter rapidement. Quatre qualités donc essentielles pour être un
pour devenir éducateur canin, la passion, l'ouverture d'esprit, la patience et la ténacité. Si vous vous reconnaissez dans ces quatre qualités, il va vous suffire de vous former et de continuer à vous former tout au long de votre carrière pour devenir un super éducateur canin, aider plein de chiens et plein de maîtres. En bonus, vous aurez le plaisir de travailler dans des cadres aussi sympas qu'ici. Vous aurez le plaisir d'avoir, compagnon de travail, votre chien. Vous aurez le plaisir aussi de faire des rencontres avec plein de personnes différentes. Un métier vraiment, vraiment épanouissant. Qu'est ce métier d'éducateur et comportementaliste canin. Alors si vous êtes intéressé par ce métier et que vous voulez en savoir plus, sachez que je propose une formation éducateur canin sous la forme d'une franchise, c'est-à-dire que nous formons des éducateurs canins qui peuvent bénéficier du coup de notre méthode de travail, une méthode éprouvée depuis un peu plus de 17 ans maintenant, à la fois basée sur le comportement, la psychologie canine, la psychologie humaine, le coaching humain et canin, et un système économique qui fonctionne. Parce que le but, c'est quand même de vivre de cette activité. Et actuellement, peu d'éducateurs canins peuvent faire uniquement ce métier et en vivre. Donc je propose une formation, du coup, à la fois théorique et pratique, et je vous installe dans votre secteur. Cette formation se fait sous la forme d'un contrat de franchise. Je forme donc qu'un éducateur par secteur et vous pourrez bénéficier de tout le système d'acquisition de clients du groupe Respect Dogs. Si vous voulez avoir plus d'informations sur donc la franchise, découvrir la formation que je vous propose en individuel et dans votre ville, rendez-vous sur mon site www.respectdogs.fr. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Éducateur Canin Respect Dogs, sur Instagram, Respect Dogs et sur Twitter. À bientôt !